Salut tout le monde, dernière vidéo du mois, pardon. Effectivement, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui intéresse beaucoup de monde, puisqu'on a l'impression que le gouvernement met un petit peu tout sous le paillasson, qui est donc la hausse d'impôts, suite au Covid, et suite à la situation financière, économique, pardon, actuelle du pays, qui est visiblement, d'après ce que j'ai pu lire sur Le Monde, sur Le Figaro, etc., donc fait par des journalistes sérieux, une catastrophe. Et également, évidemment, par rapport aux retraites. C'est-à-dire, effectivement, est-ce qu'il y a une réforme qui est faite ou est-ce qu'on va porter ça encore au calendrier grec, comme d'habitude. Donc, on va commencer. Alors, lequel j'ai pas pris lequel je les ai pris. Enfin, vous savez que les vidéos sont tournées, effectivement, d'un coup. Donc, j'essaie de varier un petit peu les jeux en fonction de mes ressentis. Donc là, on va prendre la triade sur cette histoire de hausse d'impôts. Est-ce que les Français doivent s'attendre à une hausse d'impôts pour payer le Covid et tout ça? Oui, bah, vous voyez, on va faire un tirage en 5, mais enfin, je suis même pas sûr que ça soit nécessaire. Je me retrouve avec le sacrifice, donc clairement, oui, ça c'est un grand oui, et l'équité, donc pour amener un équilibre des finances, hein, c'est ça que ça veut dire, hein. Donc on est en plein, plein, plein. Déjà, on a la réponse claire et nette, hein. Vous allez avoir une hausse d'impôts ou de taxes ou une nouvelle taxe inventée, comme la France sait faire si bien, qui se rajoute, à mon avis, sur le début de l'année prochaine, voire cette fin d'année. Enfin, je sais pas quand est-ce qu'ils font leur projet de finances, mais on est bien là-dedans. Donc c'est à l'étude, hein, actuellement, on voit bien avec l'habilitation. C'est à l'étude, ce ne sera pas immédiat. Donc moi, du coup, j'aurai plus une affinité sur le temps pour moi, donc l'année prochaine. Mais en tout cas, la réforme des retraites sera faite avant, en tout cas, attendez, j'ai une carte, vous voyez, Alpha. Donc on vous dit, il faut le faire, c'est nécessaire, mais bon. Est-ce que la hausse des retraites sera donc effective avant un deuxième mandat Macron ou une autre présidence d'ailleurs? On va regarder ça. Non. Non. C'est très hypocrite, hein. Encore une fois, on voit bien, si vous voulez, que les choses ne seront pas dites et les choses ne seront pas prises en main. Il y a un blocage. Donc on attend un nouveau un mandat de Monsieur Macron ou de quelqu'un d'autre. Peut-être que sur ce second mandat, s'il était réélu, on reporterait aussi encore les retraites. Enfin, la réforme, pardon, des retraites. Mais effectivement. Non, non. Pour moi, vous voyez, il y a un doute, il y a une envie. Hein. Je pense que lui serait prêt à le faire, quitte à jouer sa réélection et que derrière, ça ne suit pas. Donc, pour moi, la réponse, vous voyez, c'est le choix. Donc, en résumé, vous avez une hausse d'impôts en 2022. Sur les retraites, on vous raconte des pipeaux pour vous. Un petit peu vous perturber la cervelle, il n'y aura pas de réforme des retraites sur cette année ni l'année prochaine, en tout cas avant l'élection présidentielle. Voilà, c'est une vidéo un peu plus succincte que celle de la semaine dernière, mais je pense avoir pu répondre à toutes vos questions. Si vous avez des envies de sujets que vous souhaitez que je traite, vous n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ou sur mon site www.pur-medium.com. Dans la partie les questions, posez vos questions. Si vous aimez la vidéo, vous mettez un pouce, ce serait très sympa, un like. Si vous n'aimez pas, vous avez aussi le droit de le faire, tant que ça n'est pas agressif dans les commentaires. Et moi, je vous donne rendez-vous donc cet été en juillet avec de nouveaux sujets d'actualité. Je vous embrasse, à très vite.